secrétaire général du Front populaire ivoirien a reçu en audience ce mardi 6 octobre au siège du parti à la Riviera 3 une délégation de l'Union européenne conduite par son représentant en Côte d'Ivoire, son Excellence Monsieur Jobs von Kirschmann. Entouré de ses proches collaborateurs, Dr Assouadou et ses hôtes ont échangé sur la situation sociopolitique en Côte d'Ivoire. Vu les tensions qui règnent avant la tenue des élections, l'Union européenne a décidé de s'imprégner de la situation. C'est à ce titre qu'elle dépêche la dite délégation. L'objet de la visite de l'Union européenne et tous les États membres de l'Union européenne, vous avez vu, les autres ambassadeurs étaient là aussi, sont venus pour mieux connaître la vision du FPI. On était ravis de rencontrer le secrétaire général. Après échange, le Front populaire ivoirien a fait des recommandations visant des élections apaisées. On s'inscrit dans un processus électoral apaisé. APC, pour nous, ça veut dire aussi un processus démocratique, inclusif, qui permet aux citoyens de participer. Et donc, on a individuellement, on a posé cette question dans le secrétaire général, mais qu'est-ce que pour vous sont les préconditions pour que les élections puissent avoir lieu? Et donc, il nous a fait une liste des préconditions. Commençons avec la rentrée du président Gbagbo. Il a exprimé ses craintes vis-à-vis d'un troisième mandat du président Ouattara. Il a souligné la nécessité de réformer la CEI, aménager différemment la Cour constitutionnelle. Et aussi, il a exprimé ses craintes vis-à-vis de la liste électorale. C'est une longue liste des choses. Et donc, voilà, donc, c'est là où on est. Nous, on a exprimé notre souhait d'avoir un processus électoral apaisé. Et donc, on se pose la question quand même d'une date qu'on voit venir, le 31 octobre, les élections. La délégation consulte les partis politiques de l'opposition et le gouvernement pour un dialogue franc avant la tenue des élections. On veut être aussi un partenaire de dialogue, aussi bien pour le gouvernement que pour l'opposition, pour tous les partis politiques. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle cette semaine et encore la semaine prochaine, on va rencontrer tous les partis politiques, mais aussi tous les candidats. Et donc, je trouve toujours dans un dialogue, la première chose, c'est comprendre la vision de l'autre. Et donc, nous, on est un partenaire, comme je disais, de la Côte d'Ivoire depuis longue date, et surtout, aussi, on veut rester dans la neutralité. Et ça nous aide énormément de comprendre la vision des uns des autres.